Salut à tous et à tous, c'est Oliver Plasma et on est parti pour une vidéo partie de Rayman 1, la partie 5. Et on est parti pour le niveau La Clique au crayon. Un niveau que la plupart des jeunes écoliers détestent, car on sera dans un monde où il y aura beaucoup de crayons, de gommes et autres qui font référence à l'art plastique. Et c'est un niveau que j'avais fait il y a très longtemps, mais je m'en souviens même plus. Je me souvenais juste qu'il y avait des gommes, des crayons, un peu de l'univers. Vous voyez toujours mon skill qui n'est pas terrible. Une petite musique qui vient de se mettre en route. J'aime quand il y a de la musique. Par contre, quand elle se coupe automatiquement au bout d'une minute, c'est pas tip top. Voilà, nous avons libéré les Electoons. Et oui, je viens de connaître leur nom, ce sont des Electoons. Ça fait référence aux électrons. Je ne vois pas pourquoi. D'habitude, je les appelais les bonhommes roses. Mais bon, maintenant je vais dire que c'est des Electoons. Et ça fera moins un plus. Celui qui connaît un peu plus sur Rayman, on va dire. On va essayer de prendre le P, si je peux. Bon, je sais pas. Ah bah si, il faut juste faire revenir ça. En fait, ça remplace les prunes. On peut les défoncer comme les prunes. Sauf que j'ai l'impression que quand on donne un petit coup de poing, ils volent. Super haut, enfin super loin plutôt, ce qui est moins pratique que les prunes, mais il faut faire avec aussi que que je perds tout le temps. C'est très bien parti. Bon, heureusement, vous avez vu qu'il me reste 16 vies, donc si je perds mes 16 vies, franchement c'est n'importe quoi. Commence vraiment à être chaud sur Rayman. Non! Oh oui! Voilà, mais cette technique, cette maîtrise! Fireflav, lui, ne saurait pas le faire. Vous voyez que même le plus grand joueur ne saurait pas le faire. Avoir du timing dans ce niveau. Bon, d'accord. Je viens de comprendre comment y aller. En fait, il faut défoncer d'abord les punaises. Bon, les punaises, par contre, je pense que ce sont les meilleurs amis des petits enfants, parce que c'est souvent avec ça qu'ils utilisent pour mettre sur la chaise du professeur. Pour lui piquer les fesses, petite blagounette, super, vraiment pas du tout original. Oh, le sprint! Ouais, je pense que la dernière fois qu'on s'est quitté, je vous ai pas trop montré qu'on pouvait sprinter. Juste à la fin, je venais juste d'avoir le pouvoir de sprinter. Bon, j'ai aussi galéré en faisant le montage. Car y avait le logiciel de capture qui a planté. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un petit bug. Il faut jamais expliquer ce que c'est les bugs, hein. Ça arrive comme ça.
voyez que même si on arrive vraiment presque à la fin du jeu, le jeu peut nous montrer encore des niveaux très originaux. Car là, il faut pousser ses punaises. Oh bah d'accord, elle est revenue. Oh non! J'avais galéré pendant 3 heures. Fouin. Bon, je m'en fous. Ah bah d'accord. C'est peut-être parce que je suis passé au pixel près juste en dessous de la punaise. Mais là, franchement, c'était vraiment de la chance. Bon, je crois que oui. 14 vies alors que j'étais à 17 vies au début. Oui. En fait, je pense que je vais perdre toutes mes vies dans cette partie. En plus, j'ai mis du temps à récupérer toutes ces vies. Je ne veux pas les gâcher. Là, je suis en train de les gâcher. Comment on passe ce passage? Eh bien... Peut-être que je saute quand le crayon tombe. Non. Par contre, je ne comprends pas. C'est la punaise est vraiment haute, pas assez haute. À chaque fois, on se la prend. Oui. Enfin, en fait, c'était vraiment au pixel près, hein, le truc. C'était rien du tout. Fallait faire minuscule petit saut comme je viens de le faire là. Voilà, là, j'allais faire une connerie, mais heureusement, je me suis rattrapé avec l'hélicoptère. Voilà, pas une seule erreur, il faut pas faire une seule erreur. C'est le moment de vérité. Le point. Ah bah c'est bon, il faut juste les avoir comme ça. Ah bah d'accord, elles réapparaissent. C'est vraiment fait exprès ce truc. Oula. Ok, bon. J'ai à moitié fait bugger le jeu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, tant pis. En fait, vous voyez, je viens de faire un glitch, comme disent les professionnels de... du trucage de jeux vidéo. Ceux qui font des speedruns. Ceux qui utilisent tous les cheatcodes du monde. Ceux qui sauvegardent leur partie toutes les 2 secondes. Pour à chaque fois recommencer presque au même endroit. C'est quoi ces machins? Pour pouvoir ensuite faire une prestation magnifique et faire croire aux autres joueurs qui jouent comme des big boss. Alors qu'en fait, c'est en sauvegardant plein de fois et en recommençant plein de fois. Ah, on saute maintenant sur les gommes derrière les crayons. Là, c'est marrant. Là, voilà, on se sert du truc pour rebondir au-dessus du crayon. Donc, je sais pas ce que c'est ces trucs qui nous suivent là. Mais ils nous en veulent. Vu la tronche qu'ils font. Oula. Même si en fait ils ont pas de tronche. Oh. Oh, on peut pas descendre. Eux, je crois que c'est des Electoons maléfiques. On va tous les faire descendre. Oh, pff, bah ils réapparaissent, laisse tomber. C'est impossible. À moins d'être un dieu.
maintenant je suis en mini Rayman et comme je suis en mini Rayman, mes sauts sont minuscules. Ouf. Ah oui, en fait on va switcher entre grand Rayman et mini Rayman. Là, faut faire un peu gaffe. Pas se faire planter par les punaises. Car les punaises, ça fait bobo. Je fais une espèce de sprint. Oula. Purée, en plus. Non! Ah oui, d'accord. En fait, j'ai bien fait de tomber comme une bouse. Parce qu'il y avait une vie juste en dessous et comme les vies c'est bien et bah voilà. Et en plus on récupère toute notre vie à côté. Toute notre barre de vie on va dire, tous nos points. Par contre je sais pas comment remonter après. Ah si, faut faire barrer toutes les punaises et utiliser que le dernier là. Le dernier petit machin là qui n'a pas de punaises. Machin ying yang, le ying et le yang. Enfin quoi que, je suis peut-être bloqué en fait. Ah mais non c'est bon. Et voilà, comment sortir des situations les plus dangereuse. Les plus débiles surtout. Revois les électoons maléfiques qu'on voit le plus souvent dans le jeu. Les crayons, ça fait peur. Le sprint de Rayman. C'est pas mal, une petite originalité. On switch entre être grand Rayman et petit Rayman dans ce niveau. Ou dans cette partie du niveau plutôt. Les niveaux sont tellement longs dans ce Rayman qu'on les considère comme plusieurs niveaux en fait. Ah, et bientôt aussi une vidéo de Luigi's Mansion 2 que je ferai aussi avec une nouvelle invitée, vous allez voir, qui est derrière moi. Elle est trop timide, elle vient de partir. Une invitée qui s'y connaît vraiment en Luigi. Oula, on va combattre contre un bateau là. En fait là on est sur une scène. Ah mais c'est la musique de l'intro. D'accord. Ah je me souviens de cette musique. Par contre, comment on bat cette espèce de machin? On va faire du théâtre. Je veux courir comme un clown. Mais attention. Non mais je sais pas comment battre ce boss. Enfin j'ai l'impression que c'est un boss. Même s'il a pas de barre de vie. Oh purée. D'accord, en fait je viens juste de le battre et l'autre il m'a battu au-dessus. Ce jeu là est quand même vraiment hard. Surtout qu'on a très peu de continu. On en a que 3 je crois. Alors que je crois bien que sur la version GBA il y en a beaucoup plus. Car oui, il y a une version Game Boy Advance de ce Rayman 1. En fait je venais juste de l'apprendre.
Avant, je savais pas que ça existait sur Game Boy Advance aussi. Après, mais comment on bat ce truc? Peut-être attendre qu'il balance son machin et qu'on le tape là et non. Bon, en fait, je l'ai pas. Ça va être la danse. La danse du moment. Mince. Mais qu'est-ce qu'il vient de me faire là? Une attaque ultime? Mais en fait, je dois faire des petits points, pas des gros. Sinon, il s'y attend. Enfin, même les petits points, il s'y attend aussi. Quoique, un peu moins. Ah bah, en fait, fallait bourriner, tout simplement. Sinon, celui du haut, je le fais comment? Allez, d'accord. Franchement, on s'y attend. On s'y attend, ce truc-là. Non, on s'y attend vraiment pas. Purée, ce jeu devient de plus en plus compliqué. Déjà qu'au début, c'est pas fastoche. En tout cas, vous avez vu ma magnifique prestation de la première partie. Je faisais que de perdre aussi. Enfin, un peu moins quand même. C'est quand que je vais avoir ce machin? Ah voilà, faut bourriner en fait. Attention, bombe. D'accord. Mais en fait, ça c'est pas très dur à esquiver. C'est que franchement, au début, on s'y attend pas. Ah bah d'accord, ça aussi, je m'y attendais pas. Attends, c'est Karate King lui. This is Karate King. Je crois qu'on va être contre Kung Fu Rayman. Parce qu'ils ont pas de. Ils ont pas de bras ni de jambes comme Rayman. Ça commence à me saouler ce niveau. Bon, c'est assez étrange quand même d'avoir la musique de l'intro quand même, là. Ou une petite remix de la musique intro plutôt, parce que là il dure un peu plus longtemps. Heureusement en même temps, parce que c'était juste la musique d'intro tout court. Et là il va descendre. Comme un sale petit. Oh! Ah bah d'accord. Ah bah c'est parti pour le boss. Enfin bon, avec une vie, ça va être chaud. Est-ce qu'on peut aller là-dessus? Ah boy. Ah bah d'accord. Ah, c'est que des attaques où on s'y attend vraiment pas. On sait pas du tout comment les esquiver, on est dans la merde. Bah je vais devoir recommencer à récupérer 10 000 vies après. Pénible. Pourquoi y a-t-il aussi peu de vies dans ce jeu? Ça le fait trop avec Rayman qui regarde les environs. Et juste derrière, il y a le bateau et la mer. D'accord. Oh non, mais... Je crois que j'allais le toucher deux fois, mais non. Quand même pas rêver. Attends, là il va faire son Karate King, je crois. S'il veut bien. Attends, la tronche qui tire. Bon bah, il veut plus attaquer. Attends, mais c'est quand même des fous là chez Ubisoft là, d'avoir fait plusieurs boss là d'affilée. Ah, il faut l'avoir la tête. Ah, et il faut que je saute tout de suite après quand elle tombe sur le sol. Voilà. 7 vies, ouais, j'ai déjà perdu 10 vies. Au bout de 19 minutes. C'est très bien parti. Oula. Ça, en fait, je fais toujours la même chose, mais ça marche.
Oh purée, mais... Ce salopio vient de... De me tirer dessus. De balarder sa bombe sur moi. Là, il a failli recommencer la même chose. Après, je sens qu'il va faire son coup de pied. Ah non, c'est bon. Son coup de pied Karate King. Quand même, c'est très bizarre comment elle avance. Hein. Purée, mais comment on peut esquiver ça? Oh non. Encore une attaque que je m'y attendais pas, mais heureusement, j'ai eu de la chance. Je croyais que les trucs, ils allaient retomber. Enfin, voilà. Ah, je sais quand je pouvais la voir. Là. Voilà. Bon, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste avoir un peu de maîtrise. Et aussi avoir un peu d'illogique, hein. Surtout. Bon, en fait, non, ça sert à rien. Et voilà, et on va par en dessous, et voilà. En fait, faut se mettre à l'endroit où il y a le plus grand espace. Sinon, bah, on est dans la mouise. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Mais que... Non! Le truc, mais impossible! En plus, on a que 3 vies! Alors maintenant, je comprends pourquoi on a une... Un point de vie en plus dans la version Game Boy Advance. Bon. Ça commence à être saoulant de combattre ces deux pirates qui ressemblent à rien. Bon, là, en fait, c'est assez simple le début. Quoique, je dis ça, mais non. Là, là en tout cas, c'était impossible d'esquiver. Je voyais pas comment faire. Bon, il balance pas sa bombe. Bon, d'accord, je m'y attendais pas. Bon, bah là, faut pas que je me fasse toucher une seule fois. Je crois que je serai le King of the World si je réussis ça. Si je réussis cette prouesse, applaudissez. Oula. Bah, elle ressemble vraiment à rien. On dirait un viking. Un viking pirate. Quoique les vikings peuvent ressembler un peu aux pirates. C'est des racailles. D'accord, en fait ça lui fait rien quand on fait ça. C'est bizarre. Quand on fait à ce moment-là. Parce que pourtant elle se protège plus avec son espèce de parchemin. On entend un singe de l'autre côté. Vraiment très étrange l'univers de Rayman. J'ai jamais bien, très bien compris. Ah oui, là c'est vrai. Je fais n'importe quoi, mais ça a quand même marché. Non! Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est impossible. Oh non, mais je vais perdre toutes mes vies contre ce boss à 2 balles. Bon, c'est sûr, après ce boss à 2 balles, eh bien, je quitterai. Parce que là, on est déjà à 25 minutes.
Je savais pas qu'il est considéré comme dur ce jeu, mais je savais pas qu'il était aussi dur. Pourtant, j'avais bien fait des jeux très durs aussi sur la NES. Bon, comme quoi, il y a aussi des jeux durs sur la PlayStation. Allez, sprint! Et voilà, il faut que je m'en sers plus souvent du sprint. Ah voilà, en fait, on est obligé de s'en servir. Là, on se demande ce qu'il me fait, là. Il est en train de se mettre à genoux devant moi. Je suis ton dieu! C'est pas plutôt le contraire, en fait. Attention là, elle va encore essayer de nous planter avec ses espèces de punaises couteaux. Ça ressemble pas à grand chose. Ouf, heureusement que j'ai sprinté là, j'aurais pas pu esquiver sans le sprint. Donc voilà, le sprint est très important, hein. Sachez-le. Ah, il va recommencer son attaque. On ne s'y attend pas du tout la première fois. Son pouvoir magique. Bon, en fait, oui, ça lui fait vraiment rien. Par contre, si chaque boss sont aussi durs que ça... Enfin, je sais pas. Enfin, je dis ça, mais on en a rencontré déjà pas mal maintenant des boss, non? 4 boss, je pense, c'est le quatrième celui-là. Les deux premiers, bon, ils étaient lamentables. Les deux libellules, là. Libellules... je sais plus de quelle couleur, la première. Si, violette et l'autre rouge. Et puis le troisième boss, c'était Monsieur Saxe, je crois, oui. Un boss vraiment pas mal. Donc on ne peut pas réussir la première fois, quand même. Faut vraiment... C'est un peu comme ce boss-là. Enfin, quoique, Monsieur Saxe, quand même, c'était possible de réussir du premier coup. J'y étais presque, je crois. Puis après, il y avait l'espèce de roche, là, je sais plus comment il s'appelle. Si, la cité de Monsieur Stand, je crois qu'il s'appelait. Ouais. C'était ça, le nom du niveau, je crois. Si ma mémoire est bonne. Là, je viens de battre le boss. Vous imaginez celui qui vient de battre le boss, mais... au moment où il l'a battu, il y a les punaises qui s'envolent et il vient de se faire toucher par ces punaises. Et il lui restait plus qu'une vie. Il perd au moment où c'est la victoire. Quoique, en fait, j'ai envie de continuer. Continuons le prochain niveau. Petite sauvegarde. Assez longue. Panique aux punaises. Ah. Un petit titre sympa. Parce qu'on va voir beaucoup de punaises, je parie. Bah, c'est toujours ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on entend la petite musique fantastique. Toute mignonne, toute gentille. Ça montre à quel point ce jeu est poétique, mais à la fois loufoque. Voilà, pour les petits, hein. Ne regardez pas cette vidéo. Oh purée. C'est chaud, ça. Mais par contre, comment je fais, là? Ah, un solo de piano! Mais comment je fais là? Ça ne répond pas à ma question. Si vous saviez, vous, dites-le moi, même si vous pouvez pas me le dire. Bon bah, je sais pas. Je crois qu'il faut se suicider, hein. Et oui, c'est.
C'est triste, mais bon. Quand on ne réussit pas un niveau. Ah bah si! Ah bah tiens, une bouboule sans punaise. Je vais essayer de la voir comme ça. Mais oui, mais quel talent! Ah, il y a un truc qui est apparu en dessous. Ah, bien sûr! Ça fait longtemps qu'on ne les a plus vus, ceux-là. Les nuages trampolines. On va revoir nos amis et les Electoons. Les petits bonhommes roses. Bon, après. Ah, mais non, en fait, c'était pour ceux qui étaient allés là-haut. Parce qu'il y avait deux passages, comme quoi ce niveau n'est pas du tout linéaire. Ah, et on peut sauter sur des. Stylos. Des stylos avec une drôle de tronche. Avec en dessous. Un looms anneau. D'accord. Oula, j'ai cru que j'allais tomber. Le gros stress. Oula, par contre, lui, il commence à nous saouler. Ah, il y a une vie là-bas. Il faut la voir. Mais comment? Je ne sais point. Quelle esquive, même si c'était très prévisible. Ah là, je sais ce qu'il faut faire. En fait, il faut envoyer ce truc-là là-bas et s'en servir comme tremplin. Ma langue a fourché. Comme tremplin. Non, mais je suis sûr que c'est ça. Il faut que je l'envoie tout là-bas et que je saute là. Oh oui! Oh la chance que j'ai eue! Oh non! Oh non! Oh non! Bon bah, il y a un espèce d'ennemi qui a apparu d'un coup. C'est vraiment des vicieux quand même chez Ubisoft. Ah bah, déjà de Rayman Legend, hein, ils ont fait leur petit vicieux. Je ne savais pas qu'ils faisaient leur petit vicieux dans leur tout premier Rayman. Enfin si, parce que la plupart de leurs niveaux sont durs quand même. Bon d'accord, à chaque fois je veux pas toucher ce machin. La version Game Boy Advance c'est beaucoup plus simple. Voilà, là on fait un sprint, on fait gaffe aux punaises. Mamma mia. Là, on peut dire que j'ai géré. Oui, je ne sais pas comment il a fait pour monter comme ça. Par contre, je pense qu'on peut descendre et prendre notre vie si elle est là. Y a deux vies. Il y a une autre vie en bas. Ah bah je la prendrai peut-être en voix off celle-là. Faudrait que je trouve un moyen comment passer par là-bas. Mais je la ferai pas dans la vidéo parce que ça peut être chiant pour vous. D'accord. C'est un peu con. En fait, fallait que j'aille sur la même plateforme pour qu'elle aille jusqu'au bout. J'espère qu'elle peut revenir parce que sinon, bah. Ah voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris, je suis passé au travers de la plateforme, j'ai rien compris. Très étrange, voyez-vous. Mais qu'est-ce que je fais? Non! En fait, fallait que je descende. Enfin, voilà, vous voyez, hein, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça commence à être saoulant quand même de perdre à chaque fois des vies. Tiens, bon, on va essayer de prendre l'autre passage. Si j'y arrive. Voilà. Prends cette plateforme qui nous emmènera de suite au passage vers la droite.
Ah bah si, c'est alors ici qu'on a cette vie. Ah mais comment on peut y aller? En fait, faut être grand. Et bah j'ai tout compris. Oh! Oh non! Ils ont fait leur vicieux. Oh non! Ils ont mis un truc pour rapetisser. Ici, juste ici. Ah, ça, parce que j'ai quand même eu. Par contre, là, je sais pas comment partir. Prochain coup, j'y vais. Pas mal. Bon, bah, c'était pour avoir une vie. Bon, bah, comme ça, je prendrai pas la vie en voix off. Comme ça, c'est cool, vous avez tout vu. L'intégralité de ce niveau, peut-être. Si je le finis. On n'est jamais sûr avec moi. Bon, d'accord, la bouboule qui est revenue là, on sait pas pourquoi. Ah là, les lois de la physique. Qu'est-ce que j'aime pas. Voilà. Il y a un ennemi par derrière, on sprint comme un fou. Là on fait gaffe parce que je me souviens qu'il peut monter. Il peut voler le saligo. C'est un nouveau mot d'ailleurs, ça, saligo. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Grâce à l'hélicoptère, nous avons réussi. Oui, grâce à l'hélicoptère, hein, parce que c'est qu'avec ça que... Oh. C'était quoi ce saut minuscule? J'ai l'impression que mes sauts sont de plus en plus petits. C'est de plus en plus ridicule. Là on descend. Le sprint. C'est bizarre mais quand il sprint on dirait un cheval qui est au galop. Voilà. Pourquoi il y a des trucs en bas? Parce que peut-être qu'il y a un passage secret vers la droite. Ah non, c'est parce que j'ai fait apparaître 10 000 trucs. De toute façon, j'ai pas besoin du P, je m'en fous. Car j'ai toute ma vie. Oula, c'est quoi ça? Oh non, je voulais pas prendre celui-là. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, un niveau vraiment à embrouille. Et voilà. The winner is Oliver Plasma. Ah, ah, et nous avons la petite potion pour voler. Eh oui. Faire gaffe encore aux punaises. Bon, moi je comprends par contre pourquoi ils disent que c'est un niveau à punaises. Enfin, quoique, j'en ai pas vu tant que ça. Je m'attendais à pire. Mais on n'est pas encore à la fin. Mais attention au crayon et aux punaises en bas. Là. Je suis en train de galérer là. Oh non. En plus faut pousser le truc vers la droite. Ah mais non ça va, de toute façon il peut pas revenir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe-t-il? Par comment je peux y aller? Ah si voilà. Ouais. Ah d'accord. Le truc vraiment au pixel près. Même à l'œil, on voit pas la différence. C'est fou. Comme quoi, Ubisoft, hein, ils ont fait un peu leur... Oula. Leur... comment ils s'appellent déjà? Leur infogramme. Un tout petit peu leur infogramme. Bon, c'est pas non plus des saletés comme infogrammes.
pas non plus que je dis saleté, mais ils ont fait quelques bons jeux, hein, Infogrames. Enfin, quelques. Bon, là, on fait comment? Eh bien, j'en sais rien. Eh bien, allons vers l'avant, et non. Ah, bah, d'accord. En fait, il y a des crayons qui apparaissent. Oh purée, c'était ça en plus. Ah mais non, je viens d'oublier, je suis con. Je viens d'oublier qu'on peut voler. Oh non. La gaffe à ne pas faire. Oh, vous savez, je deviens vieux. Même si en fait, je suis jeune. C'est plutôt Fireflav qui devient vieux. Oui, Fireflav vient d'avoir 45 ans. Non, mais son âge reste très énigmatique. Et vous ne saurez jamais quel âge il a. Fireflav, le personnage le plus énigmatique au monde. Que va-t-il lui arriver dans le prochain épisode? Vous ne saurez pas, car... c'est un agent secret. Et tout doit être secret. En lui. Bon, j'arrête de raconter des salades. Oh purée, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici. Y en a plein partout. Ouais. C'est encore en pixel près. Il y a carrément ma main qui touche quand même le bord de la punaise et je me suis fait toucher. Et là je suis en train de gérer. Je ressors du petit poney. J'adore cette expression. L'expression venant de... Enfin vous le connaissez. Peut-être que les trucs ils sont réapparus. D'accord. Et bah. Cette saleté de trucs là. Ah bah ils sont réapparus en plus. C'est énorme. Ah mais comment ça se fait que mes trucs bleus sont retombés à zéro? Ah ouais bah. Mais en fait ils retombent à chaque fois à zéro quand on perd une vie. Ça je savais même. Je viens de remarquer que on est invincible pendant une fraction de seconde quand on se fait prendre en photo. Un truc à savoir pour esquiver les merdes comme ça. Là, c'est vraiment... Ce niveau est vraiment old school. Ça veut dire qu'il est vraiment difficile et vieux. Non, parce que les vieux jeux sont toujours très durs, donc voilà. Ça fait référence à ça. Et c'est un vieux jeu en plus, donc... Moi, je suis encore mort. Enfin, encore ça va, j'ai l'impression que je perds moins de vie qu'au début. Bon, j'ai la flemme de reprendre les looms, hein, de toute façon, parce que je viens de remarquer que... qu'on les perd à chaque fois, après. Par contre là ça devient vraiment chaud les niveaux quand même. C'est plus de la rigolade. Enfin même avant c'était déjà plus de la rigolade. Avec le niveau de la montagne là où j'en ai vraiment bavé. Enfin quoique j'ai l'impression que le niveau de la montagne était quand même un tout petit peu plus simple que le niveau musical. C'est lui franchement, le niveau musical vraiment pas évident. Oula, il y a un truc... Voilà. Toujours l'animation avec les yeux là qui rebondissent après quand on les tue, vraiment sympathique. Je crois qu'on est à 45 minutes, mais je continue quand même. Oh non, j'ai pas envie de crever, pas maintenant. En plus, il y a le point d'exclamation juste à côté. Alors là, si je meurs, bah voilà.
Voilà, c'est la catastrophe. Nous sommes morts juste devant le point d'exclamation de fin de niveau. Bon, moi j'ai trouvé une espèce de technique pour mieux réussir ce passage. Vous allez voir ce que c'est, parce que en expliquant comme ça, bof. Faut d'abord que je monte. Et ça pour moi c'est très difficile. Voilà, alors au lieu de faire ça et ça, c'est qu'il faut pas faire en fait, mais il faut plutôt voler voilà entre les deux. Essayer de bien jongler et pas trop voler trop haut comme je viens de le faire. Oh non! Oh voilà, c'était le triple combo! Triple combo master! Oula, par contre, il me reste plus qu'une vie. Ça fait peur. Bon, bah, je serai encore obligé de récupérer des vies. Ça devient vraiment pénible, hein. Enfin, je sais pas, c'est le point faible du jeu. Le point faible du jeu, c'est qu'il y a presque jamais de vie. Enfin, même, j'avais quand même 17 vies, mais c'est pas assez. C'est que le jeu est trop difficile, il n'y a pas assez de vie pour un jeu aussi dur. Voilà. Si c'était un Mario Bros. Wii, là, je dirais 17 vies, mais c'est trop. Alors que là, on est vraiment content d'avoir 17 vies, et surtout quand je viens tout juste de tous les perdre et il me reste plus qu'une. Et oui, c'est triste. Comme la musique en fond. Et j'ai l'impression que les musiques marchent mieux là. Enfin, qu'elles durent plus longtemps. Même si là, elles viennent de s'arrêter. Oh purée! Non, là si j'ai réussi, et bah franchement c'est incroyable. On ne sait quand qu'il revient le machin là. Ça se trouve il va me faire une farce là, il va revenir là. Je le sens pas. Voyez-vous. Oh non! Il a fait le fourbe! Mais tu ne mourras pas comme ça. C'est pas parce que t'es un fourbe que tu mourras. Encore les trampolines là. Oh, j'ai encore oublié qu'on pouvait voler. Oh purée, ah oui, il y avait une cage en bas. Vous voyez le petit pixel blanc là, blanc et gris, bah c'était le bout de la cage. Mais qu'est-ce que c'est ce niveau? Ah, et on peut plus voler. Bon, moi comme ça, je n'oublierai pas à chaque fois. Voler et tout ça parce que maintenant on peut plus voler donc on s'en fout. Bon voilà quelques niveaux sympatoches là où on peut voler, c'est marrant. Ah, il y a marqué no hein, ça veut dire qu'il faut pas passer par là je pense, d'après mon esprit de déduction si incompétent. Je sais pas comment passer. Mais je trouverai bien une solution. En descendant comme ça. C'est l'instinct qu'on a à chaque fois. On peut passer n'importe où dans le jeu et au bout d'un moment on trouve la solution. Ça sent quand même l'empire à ce niveau. Ah, une cage que je n'arrive pas à voir d'ailleurs. Désolé. Oh non, non, je veux pas remonter. Je crois que là je suis un peu obligé. Oui, parce que là, je suis trop proche de l'autre gomme. Enfin, la gomme trampoline. Je sais pas ce que c'est. Des gommes avec des confettis par-dessus. Bon, c'est bien joli, mais on sait pas ce que c'est. Ah, un checkpoint. Là, franchement, ça sent l'ennemi qui va popper derrière, donc je pense que je préfère sprinter.
En fait, fallait pas que je sprinte, mais que je sprinte. C'est magnifique. Je le sens pas là, il me reste plus que 0 vie. Oh. Mais en fait, fallait pas sprinter, fallait juste marcher. Attends, mais comment faut passer? Ah ouais, ok. Je viens de me planter, c'est beau, c'est magnifique. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais ça me saoule. Et oui, on est déjà au game over. Bon, moi je crois que ça va recommencer, hein, de recommencer à chaque fois tout le niveau. Ça devient pénible. Bon, en fait je vous ai pas dit, mais je suis rendu à 45%. Peut-être que ça a avancé depuis que j'ai battu le boss là. 46, waouh, 1%. Avec 1%, franchement, il y a vraiment de quoi faire. Bon bah, donc il me restait combien de vies déjà? 6 vies, c'est ça? 5 vies. Je parie pour le 6 ou 5 vies. Non. On peut pas parier pour deux trucs. 5 vies. Bon bah, dans la prochaine partie, je pense que je vous referai panique aux punaises. Même si vous avez vu presque tout ce qu'il y avait dans ce niveau. Parce que je suis sûr que j'étais prêt à la fin. En plus, à la fin, c'était un truc tout con, en fait, fallait juste rester appuyé sur la croix vers la droite, en marchant. Et ça passait, en plus, ça passait. Parce qu'au début, je voulais sprinter, mais non, c'est n'importe quoi. Fallait juste marcher. Et juste aller vers la droite, et il saute tout seul, car il y avait la gomme qui nous faisait sauter, vous savez. La gomme avec les confettis dessus. Ou les paillettes, plutôt. Bon bah donc voilà, sur ce, je pense que vous allez redevoir, ou quoique je ferai plutôt en sorte, non en fait je vous montrerai pas le début du niveau de punaise puisque vous l'avez déjà vu dans cette partie, et donc j'avancerai en voix off, je referai la même chose, et j'irai jusqu'à là où j'ai perdu comme une bouse, où il y avait les crayons. Il y avait énormément de crayons, et quand il y a beaucoup de crayons, eh bien, c'est là que ça devient difficile. Et c'est là qu'on se dit, pourquoi les crayons, ça existe. Bon voilà, alors, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma.